Salut, 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 salut. Partagez le live, partagez, partagez, partagez. Invitez les autres. Invitez les autres, partagez, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Alors, je vais abonder ici dans le sens, n'est-ce pas, de ma sœur de combat, notre lionne Justine Boukam, qui a fait un live intéressant tout à l'heure. Essayez de partager au maximum, invitez les autres, partagez, invitez les autres, partagez, invitez les autres. C'est très important. On va revenir sur certaines choses. Donc, partagez et invitez les autres. Que j'aille déjà moi-même sur ma deuxième page, partager. Partager le live, partager, inviter les autres, partager, inviter les autres. Donc, je vais aborder ici, grosso modo, certaines choses, n'est-ce pas, en ce qui concerne le combat. Voici ma part de choses que je vous demande. Pour l'instant, j'essaye de jongler comme je peux. Fabrice Foguem, je ne suis pas au courant. Il faut me donner les informations, je ne suis pas au courant. Voici ma part, ce que je vous demande. Voilà mon livre que j'ai commis. Je ne suis pas au niveau où, n'est-ce pas, je peux venir vous dire que oh, je n'ai pas payé mon loyer le mois-ci. Oh, je suis foiré. Bon, j'essaie quand même de jongler. Comme vous me voyez, je suis comme ça, on jongle. Donc, de temps en temps, ça donne quelques miettes, je fais avec. Numbici et Victorine, c'est bien ce que tu fais. Tu identifies les autres. Identifier les autres, invitez-les. Invitez-les, invitez. J'ai annoncé depuis tout à l'heure que je serai en live. Donc, on continue. Partagez le live, partagez et invitez les autres. Donc, si quelqu'un veut me soutenir, c'est l'occasion. Pour celui qui n'a pas encore son exemplaire du livre, vous me contactez juste inbox. Vous voulez un exemplaire, peu importe où vous vous trouvez. Pour ceux qui sont en France, le livre, il est à 20 euros, frais d'envoi compris. Et pour ceux qui sont à l'étranger, on est à 22 euros. J'ai cassé tous les prix. 22 euros. Donc, contactez-moi tout simplement et j'envoierai votre exemplaire dédicacé par l'auteur lui-même, n'est-ce pas? Et vous l'aurez sous 24 heures ou 48 heures maximum. Donc, j'ai vu ma sœur de combat tout à l'heure. Justine Boukam dans un live où elle était en train de se plaindre. C'est ce fameux live, n'est-ce pas? Où elle parlait des combattants qui maintenant sont devenus spécialistes en dépôt de plainte.
Quand vous vous plaignez, ou vous citez leur nom dans un truc, ils partent maintenant seulement de poser la plainte. Voilà ce qu'ils savent faire. Je le dis encore ici, et je l'ai toujours dit. Peut-être que si le combat était fini depuis 2019, il y aurait eu beaucoup d'infiltrés, beaucoup de malhonnêtes dans notre combat. Ils se seraient insérés comme ça vite fait, alors que ce ne sont pas des personnes sérieuses. Le temps que ça met, ça fait 4 ans qu'on est dans la bataille. Ça fait 4 ans qu'on est sur tous les fronts, on ne s'est pas découragé. Ça a permis entre-temps de voir qui était sérieux dans le combat, qui était opportuniste, qui est vrai, qui est faux. Ça a permis de voir tout ça. Il en va de même pour le MRC. Il y a des opportunistes qui ont infiltré le MRC. Leur objectif, c'était d'avoir des postes. Ils ont investi dans le combat. Ils ont mis de l'argent dans le MRC dans l'espoir de récupérer. C'est un investissement qu'ils ont fait. Le but, c'était quoi? Avoir des postes par la suite et se remplir les poches au maximum. Au détriment de l'épanouissement du peuple camerounais. C'est important de le préciser. Donc, vous avez vu au sein du MRC des opportunistes, l'Enjamin, l'Emmanuel Kweka, celui qu'on a exclu là, il y a un autre Toto là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle même plus le nom. Vous avez des Ndoki, vous avez plusieurs personnes comme ça dans le combat. Des personnes qui ne sont pas sérieuses. Salut à toi Malion, Fadil Jamal. Voilà une brillante dame qui a tout donné dans ce combat. Chapeau. Voilà une brillante dame qui donne encore tous les jours de son temps, de son argent, de son affection, de tout ce que vous pouvez imaginer. Depuis le début de ce combat, même dès les premières réunions, au début de la basse, cette brave dame est toujours au rendez-vous. Elle n'a jamais lâché. Toujours avec son grand cœur dans ce combat, pratiquement à tous les rendez-vous. C'est la mère des combattants. Donc le temps a permis, salut mon frère Kofi Central, le temps a permis de dénicher, c'est-à-dire que la sélection naturelle a fait son travail au fil du temps. Et on s'est donc rendu compte que les personnes qui étaient fausses au fur et à mesure sont en train de s'écarter. C'est exactement comme j'étais en train de vous dire ce qui s'est passé au sein du MRC. On est en train de voir les faux gens là qui venaient pour des opportunités. On se rend compte au fil du temps que ce n'étaient pas des personnes sérieuses. Aminato Ruth, salut à toi. Content de te voir dans le live. Salut mon frère Paul Roger Tanonkou. Carly, salut. Salut Inyamsi. Moi je le dis. Et ce que je dis ici, je le dis depuis le départ. Vous n'avez que vos yeux aujourd'hui pour pleurer. Quand j'attirais l'attention sur ces fausses personnes qu'il y a dans ce combat, partagez le live, partagez. Beaucoup disaient comment Bertie, c'est un jaloux, c'est un haineux, c'est un aigri. Marcel quoi, Martial Nguépi, quelque chose comme ça. Ce sont les mêmes gens. Il dit aujourd'hui comment il a été exclu du MRC parce qu'il a donné son soutien à Michel Ndoki. Mais curieusement, lui, on le chasse. Mais Ndoki, même à qui il a apporté son soutien, n'est pas chassé. Il faut être con pour croire à ce genre de choses. Je vais parler de la brigade anti-Sardinard. Et je resterai sérieux dans ce que je fais. Correct dans ce que je fais. Et je suis content parce que mon travail, ça marche. Quand je sensibilise, ça porte ses fruits. Le combat commence dès le départ avec des vermines à l'intérieur. Des gens qui ont fait de notre combat ce qu'on appelle la révolution porno.
Il y avait des problèmes de leadership. Je marque parce que je vais développer tout ça après. Le combat commence dès 2018. Il y a d'abord un problème d'usurpation de la paternité de la brigade anti-Sardinard. L'acte fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui brigade anti-Sardinard, ça s'est déroulé à Bruxelles. La base est née à Bruxelles, la base n'est pas née en France. Et l'acte fondateur de cette brigade anti-Sardinard, ou du moins ce qui est devenu par la suite aujourd'hui ce qu'on appelle brigade anti-Sardinard, qui s'appelait avant Combat Camp. Le frère de combat qui est Calibri Calibro, le brillantissime, parce qu'il y a ce côté de lui-là que je salue. Je ne suis pas de ceux-là parce que je ne m'entends pas avec quelqu'un. Même ce qu'il a fait de bon, on essaye de cracher dessus. C'est ça qui fait donc ma grandeur. Je peux ne pas être d'accord avec toi sur certains points. Mais tu as apporté un plus. Mon honnêteté m'oblige à souligner que ce garçon a apporté, comme on a le frère de combat Stéphane Tchoumbou qui a apporté, comme on a la sœur Sandy, comme on a Fadil Djamal que je viens de citer, comme on a beaucoup de gens, comme on a mon grand frère qui est là, Cyril Kemenye. Ils sont nombreux dans le combat qui ont apporté. Il y a beaucoup de non-names. Si je vous dis ici là qui est Sergi Nicanor, vous connaissez qui c'est, non? Les gens ne le citent même pas dans leur life. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des clans et ils se congratulent entre eux dans des clans et dans des entités. Bertie Le Kamit est dans une sorte, une logique transversale. Je ne suis pas dans les histoires d'entités. Je n'entre pas dans ça. Je reste sérieux dans ce que je fais. Et j'aime, c'est important pour moi de le rappeler ici. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez, invitez les autres, partagez. J'ai cette obligation morale de dire les choses telles qu'elles sont. Et nous faisons partie des gens qui sont en train de consigner ce que nous vivons. Demain, nous allons raconter l'histoire. J'ai l'impression que les gens simplifient ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on appelle brigade anti-Sardinard, c'est l'un des rares mouvements dans l'histoire du Cameroun qui a fait trembler le régime de Yaoundé et qui fait encore trembler le régime de Yaoundé. Si jusqu'à présent, ils n'ont pas encore entériné la transition au Cameroun, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une diaspora qui est désormais debout depuis 4 ans aujourd'hui au moins, avec la basse. Les gens parfois simplifient ce qu'on est en train de faire. Je vous ai dit que même quand vous menez votre combat, soyez sérieux dans ce que vous faites. Salut mon frère. Capo. Salut Ebele Cynthia. Ce que nous sommes en train de faire là, Anne-Marie Tchandji, c'est important de le savoir. Voilà, Anne-Marie Tchandji est en train de le dire. Sergi Nicanor, c'est l'un des gars de terrain dans ce combat qui a pris des coups, des gaz lacrymogènes, des crachats, des humiliations, qui a fait la cellule. C'est un recordman dans ce combat. Est-ce que vous allez voir un jour un grand Calibri s'asseoir dans son direct citer quelqu'un comme Sergi Nicanor? Sergi Nicanor, à cause même de son engagement, a perdu son papa. Je veux dire, il n'a pas pu aller aux obsèques de son père au Cameroun. Sergi Nicanor. Vous connaissez combien de combattants, ces grands combattants, quand ils montent sur leurs chevaux, ils font des lives, qui sont capables de parler de lui. Combien sont capables, combien ont été même capables de l'appeler pour lui dire que mon frère Assia, j'ai appris que tu as perdu ton papa. Parce que on fonctionne avec des personnes qui sont mauvaises. Parce que c'est des gens qui sont là pour eux, pour leur gueule et rien que pour leur gueule. Ebele et Djingele, dit Bertie Le Kamit, est resté cohérent.
Merci à toi. Heureusement que quand moi je marche, même les personnes que je rencontre me disent que oui, tu es resté cohérent dans ce que tu fais. Continue comme ça. Loin de quelques agitations puériles que je vois sur la toile, de quelques lilliputiens qui veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai marqué les esprits. Et quand je dis j'ai marqué les esprits, j'ai marqué les esprits d'une certaine catégorie de personnes, pas des racailles. La preuve. Ceux qui s'assoient pour suivre mes lives, ce n'est pas n'importe qui. S'il y a 100 personnes dans mon live, il y a 80 à 90 qui sont des vrais profils. Qui viennent, qui s'assoient là pour écouter. Je n'ai pas une armée de faux profils qu'on vient remplir dans le live, alors qu'en réalité, personne n'est en train de suivre. S'il y a 20 personnes, je fais avec, mais mon message va très loin. Chaque fois que vous faites quelque chose, soyez sérieux dans ce que vous faites. Je vous ai dit qu'il y a des thèses que les gens sont en train d'écrire sur le combat de la brigade anti-Sardina. Je dis bien des thèses. On ne peut même pas compter le nombre de mémoires que les gens sont en train de passer sur la lutte de la brigade anti-Sardina. Faites l'effort de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire. Faut pas que demain, à l'issue de ce combat, on vous cite comme quelqu'un qui violait. Qu'on vous cite à l'issue de ce combat comme quelqu'un qui détournait les litis. Qui agressait sexuellement les femmes. Qui mentait tout le temps. Faites l'effort d'être du bon côté du combat. Merci Tamsou. Donc quand le combat commence, on a des gens qui sont là. Demandez aujourd'hui qui est Cyril. Si vous demandez aujourd'hui qui est Cyril le roi. Vous connaissez Cyril le roi? On vous demande aujourd'hui, ces gens qui étaient là dès le début, ils ont tous fui. Mon frère, même Lapiro, je ne vois même plus Lapiro. Il y a un autre qu'on appelle Galbert. C'est des gens qui étaient au sein de la basse, dans ce qu'on appelle la trésorerie de la basse. Vous les voyez encore? Vous entendez encore parler d'eux? Ils sont nombreux comme ça, qui ont disparu du jour au lendemain. Ce qui les intéressait, c'était l'argent. Ce qui les intéressait, c'était la gloire. Il y avait une là où c'est Francine Tico qui était du côté de l'Italie, qui insultait tous les jours. Jusqu'à un jour, elle a même fait un live pour dire que Bertil Okamite, c'est qui? C'est plutôt à moi de demander Francine Tico, c'est qui? Quand je cite même son nom, je lui donne des points. Vous avez des malades, des dégénérés, des déséquilibrés comme les Serge Anango, dès le départ dans ce combat. L'objectif était de court-circuiter la lutte. L'objectif, c'était d'être les leaders. D'ailleurs, quand il arrive dans le combat, son premier truc, c'est de décliner d'abord son identité. Je veux dire, c'est de montrer d'abord sa carte de visite. C'est de rappeler aux gens que lui, il est ingénieur. Il est plus intelligent. Parce qu'en face de lui, il a des beaux ailleurs. Et du fait qu'il soit très intelligent, Max Seigneur doit se mettre à côté, Bertil Okamite à côté, Calibri, tous les autres là doivent s'écarter parce que c'est lui l'ingénieur, il est plus intelligent que tout le monde. Tous ces gars d'ailleurs, c'est des petits beaux ailleurs, personne ne peut parler devant lui parce qu'il est ingénieur. C'est un exploit en France, l'un des rares ingénieurs de l'histoire dans ce pays qui, en l'espace de 3 ans, est passé de 5000 euros net à 15 000 euros net, du jamais vu en France. Il y a 3 ans en arrière, il disait qu'il gagnait 5 000 euros. Maintenant, il fait des trucs, il dit qu'il gagne 15 000 euros. Du jamais vu. J'ai des amis ingénieurs en France, nombreux, qui n'ont jamais eu ce salaire. Il n'y a que lui, dans Jupiter, qui gagne ce salaire-là. Leur objectif, dès le départ, c'était de détruire les autres. On a eu des malades comme les Junior Zogo, qui est venu avec le titre « Je suis commissaire ». Où est Junior Zogo aujourd'hui? C'est lui qui s'est retourné contre la brigade anti-Sardina. C'est lui qui soutient le même Paul Biya, qui d'après lui l'avait chassé, qui l'a poussé à l'exil. C'est le même Junior Zogo aujourd'hui qui pond des likes pour insulter les Bamileke, qui pond des likes pour insulter la basse. Vous avez eu les Daniel Essissima,
Aujourd'hui, tous leurs postes, c'est insulter les Bamileke. C'est rappeler que la base est devenue une base des Bamileke. Ils sont nombreux. Ils ont tous disparu. Les Cyril Leroy aujourd'hui vont au Cameroun. Ils s'assoient et réalisent leur projet. Ils mangent leur viande de brousse là-bas. Ils dansent, ils sont contents. Ils reviennent en France. Il a mis maintenant, il a même retiré le roi. Son vrai nom, c'était encore quoi là, j'oublie. Puisqu'il ne voulait pas qu'on le repère quand il va au pays, il a maintenant mis Cyril le roi. Fausse identité. Et ce sont eux qui donnaient des leçons aux gens dans le combat. Pour dire comment Calibri, c'est le Dieu et qu'on doit le protéger. Comme s'il y avait les intentions de le détruire. Alors que lui-même, dans son laboratoire, est celui-là qui fomentait des coups tous les jours pour renverser des camarades de lutte. Vous avez vu aujourd'hui, c'est les mêmes maintenant, dès que tu cites son nom, il dépose plainte contre toi. Et le truc, c'est qu'il dépose des plaintes toujours contre les femmes. Vous avez peur des hommes? Bertil Lekami est là depuis des années, il vous parle, il cite vos noms. Déposez des plaintes contre moi. Pourquoi vous laissez les hommes pour affronter les femmes? C'est de ça qu'il est question. Chez nous, on n'arrive pas à se remettre en question. Chez nous, même quand on suit quelqu'un bêtement. Je vous l'ai toujours dit, Bertil Lekami, il est en train de prendre une direction qui n'est pas bonne. Dites à Bertil, ce n'est pas ça le chemin que tu dois emprunter. Dites-moi la vérité. Quand j'aurai terminé le live, je vais m'asseoir tout seul. Je veux me remettre en question. Je veux me remémorer tout ce que vous m'avez dit. Je veux me dire, mais attends, est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison? Ça permet de s'améliorer. Partagez le live. Rendez-le plus vivant. Partagez le live. Vous avez donc, dès le départ de la base, des malades, comme on appelle Stella Kamga. Mais qui était célébrée à l'époque, hein, c'était normal. C'est-à-dire que même quand elle vient en plein midi, elle organise un live, elle fait une striptease, elle se déshabille, elle montre ses petits citrons là aux gens, elle se retourne et montre ses fesses. Par cet acte-là, c'est devenu, notre combat a été transformé en révolution porno, alors que des gens ont perdu gros à cause de ce combat. Très gros. Ils ont perdu gros à cause de ce combat. Mais vous avez des gens qui viennent transformer le combat en révolution porno. Il y avait toujours des idiots qui se croient plus intelligents que tout le monde pour expliquer comment non, c'est normal. Le fou du village Anango, complexé, lui-même a organisé plusieurs là pour expliquer aux gens comment, hein, quand vous allez à la plage, vous ne voyez pas des gens qui ont des seins dehors et tout. Mais est-ce que ça se fait dans le cadre d'une résistance comme celle-ci? Qui veut renverser un régime. Et vous avez des combattants. Aujourd'hui, la folle là est dans des chaînes perdues de France, les chaînes de quoi que personne ne regarde. Elle joue le rôle aujourd'hui du Front National. Elle va là-bas aujourd'hui dire comment l'Afrique doit être recolonisée. La France n'est plus la France. Il ne faut plus qu'on envoie l'argent aux gens en Afrique. Alors qu'elle-même, quand elle vivait en Afrique, en Angola, envoyait l'argent, elle prenait, manger, c'était bon. Elle-même aujourd'hui, elle envoie l'argent à sa famille. Mais elle va dans les chaînes de télévision dire comment. Elle va sur les plateaux télé, dit aux gens comment il ne faut plus envoyer, transférer de l'argent en Afrique. Et vous avez un idiot politique au nom de Arnaud Mombou qui est là pour répondre et pour abonder dans son sens en lui disant « Oui, madame Stella Kamga, vous avez raison. » C'est vous les followers le problème. C'est vous, Nandi Zulu, qui avez détruit Calibri. Nandi Zulu. Karim Bibian, les dentés de Lyon là. Ce sont ces gens-là qui ont détruit Calibri. Regardez à quoi son combat se réduit aujourd'hui. Déposer des plaintes contre ses propres camarades de lutte. Il ne sait plus quoi faire. Le jeune homme, il est perdu. Il est venu avec son orgueil. Il est venu avec tout ce que vous connaissez. C'est parce qu'il y avait des gens pour lui dire que tu es le meilleur. Les autres ne valent rien. Avance dans ce que tu fais. Ils sont jaloux de toi. Tu es le meilleur. Tu as salué Macron. Tu es ceci, tu es cela. Et aujourd'hui, il est tombé de très haut. Quand tu tombes là, de là, ça fait moins mal. Mais quand tu es loin au sommet, avant de faire ce qu'on appelle une chute libre, ça fait très mal. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est-à-dire que lui, il organise un direct aujourd'hui.
tu organises un, il organise un direct aujourd'hui. Il y a des gens à l'intérieur de son propre direct qui sont en train de l'insulter et le laver. Et n'arrive même pas à bloquer ces gens-là. Il ne peut même pas oser les bloquer. Tu as Marc Seigneur, il voit aujourd'hui, quand il fait des lives, il y a 500 commentaires, il y a 300 insultes. Mais il ne bloque plus personne parce que finalement, s'il veut bloquer les gens, il va se retrouver seul dans ses lives. Mais avant qu'il pouvait imaginer que les gens vont comprendre leur supercherie au point de les critiquer dans leur propre direct. Ce n'était pas possible avant. Le premier qui a pris des coups et qui a eu le courage de dire la vérité, c'est bien moi. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis, des gens qui m'ont détesté. Même les mêmes qui me combattaient à l'époque quand ils étaient avec la basse jaune de Calibri, aujourd'hui, ils sont contre le même Calibri. Ils me donnent raison finalement. Le porte-parole qui est Stéphane Tchoumbou, à l'époque quand il était avec la basse jaune, quand on lui disait que mon frère dit la vérité, que Calibri n'est pas le porte, il n'est pas l'inventeur. Comme il marche partout, il dit qu'il est porte, il est père fondateur de la brigade anti-Sardina. Il ne l'est pas, c'est un usurpateur. Stéphane Tchoumbou à l'époque était avec lui, ils travaillaient ensemble, ils ne pouvaient pas dire certaines choses. Aujourd'hui, Stéphane Tchoumbou s'est détaché, allait suivre ses lives, comment lui-même à l'intérieur critique Calibri en lui disant « Mon frère, on t'avait dit, bac, arrête tes histoires de père fondateur. Tu n'es jamais le père fondateur de la basse. » Aujourd'hui, les vérités sortent, non? Quand je disais ça hier, il disait quoi? Bertie est jaloux. Le temps me donne raison. Qu'il crie, qu'il s'agite. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. La vérité, elle est là. Qu'on vienne dans 5 ans, dans 10 ans, on saura exactement ce qui s'était passé. Et il y a des personnes sérieuses pour le savoir. Il y a des gens qui le reconnaissent. Donc, au départ du combat, il y a donc certaines personnes qui sont venues avec des titres pompeux. Je vous ai cité Anango, je vous ai cité Junior Zogo. Il y a des gens qui étaient venus. Dans leur tête, c'était qu'il fallait prendre le contrôle de la basse. Vous aviez Brice Ninche du côté de l'Angleterre qui voulait tout contrôler. On ne le voit jamais dans les opérations coup de poing. Il vient rarement. Il est peut-être venu à quelques marches. Mais de derrière, il contrôle tout au point de se lever un jour de Londres, venir à Paris, installer Calibri Calibro officiellement comme le patron de la basse en France. Qui es-tu? Youbi Wu. Pour te lever de Londres où tu n'es pas capable de rassembler 10 combattants, pour venir à Paris et dire aux gens que tu es venu officiellement installer Calibri Calibro comme le boss de la basse en France. Et il me faisait des critiques à qui? Au général Wanto, en disant à Wanto que non, Wanto tu es fatigué, Wanto tu es vieux, il faut que tu te reposes, donne des petits conseils aux enfants et arrête-toi là. Limite-toi à donner des conseils à la jeune génération. Résultat, lui-même, il était dans le combat en tant que spécialiste des manipulations avec les partis Nouma depuis les États-Unis. Des gars qui hier étaient, je crois, sérieux, sincères, des gars sympathiques, tu pouvais discuter avec Calibri sans problème. Tu pouvais débattre avec lui sur plusieurs choses. C'était quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui était simple, bon, d'apparence. Du jour au lendemain, ils sont devenus des rockstars au point où, et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que, pour être au sommet, ils ont besoin en permanence de rabaisser d'autres combattants. Tu peux être ce que tu veux, mais il faut le faire avec de l'honnêteté. Tu n'as pas besoin de détruire les autres pour exister. Tu n'as pas besoin de ça. Et moi, je vais toujours combattre cela, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Qu'il n'y ait que 20 personnes dans mon life. Il y a l'autre Toto là, voilà. La colline qui monte, c'est la colline qui descend. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ou c'est né colonial ou c'est quoi que vous appelez là. Ils sont nombreux comme ça. Qui ont besoin de se joindre à une équipe, de rallier une équipe pour exister. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis moi-même ce que je suis.
Et ce que je fais, c'est retentissant. Ça porte ses fruits. Vous avez la preuve là que je n'ai pas besoin d'aller fomenter des coups, d'aller faire des conspirations avec des camarades pour inventer une histoire comme quoi Kamwa a pris la seringue pour injecter les policiers. C'est autant de choses. Voilà Valère Capo qui était là, qui était témoin. Vous prenez le manche d'une poêle, un truc comme ça, vous êtes en train de taper avec pour demander aux policiers de libérer. Kamwa lui-même n'est pas petit. J'ai déjà souligné ici ses frasques. Mais les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Max a utilisé la même poêle. Calibré a utilisé, tout le monde a utilisé. Mais parce qu'il s'agit de détruire quelqu'un qui est un adversaire, parce que le challenge entre eux, il y a une querelle de leadership entre Kamwa Lapanquet et Calibré Calibro. Donc c'est deux clans ou deux camps qui s'affrontent. Ils vont donc faire le découpage, le montage vidéo pour dire comment Kamwa avait la seringue. Vous avez 4-5 000 personnes en live qui regardent. Et du jour au lendemain, c'est le porteur de seringue. Et ils savent que c'est faux. Mais, chut, il faut se taire. Il faut laisser l'information circuler, sachant que c'est un gros mensonge. Il faut laisser cela circuler. Parce qu'il faut détruire l'autre. J'avais fait un live il y a peut-être 8 mois de cela pour dire que toutes ces entités que vous avez créées, la plupart du temps, toutes ces entités, vous n'avez pas créé ces entités dans un but de lever le combat. Vous vous êtes retrouvé en clan. Pourquoi? Pas dans le but de faire avancer la lutte, mais dans le but de court-circuiter le combat, de faire des récupérations. Et vous passez pour les meilleurs au détriment des autres, en détruisant les autres au passage. Il y a le karma et ça existe. Ça finit par vous frapper un à un. Ça va vous frapper. Ceux qui critiquent la brigade anti-Sardina, créez votre mouvement à côté, allez libérer le Cameroun. Voilà ma réponse. La base ne fait que ce qu'elle peut. La base ne donne que ce qu'elle peut. On ne peut pas faire autrement. Nous faisons avec nos moyens. Il n'y a pas d'experts en quoi que ce soit parmi nous. On donne ce qu'on a. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent, plus courageux, plus ceci, plus cela, et que vous pouvez faire mieux que nous, allez libérer le Cameroun, vous serez célébrés. Donc, je pars de ce point-là pour expliquer que le ver, ce poison était déjà là dans le combat depuis longtemps. Mais comme il y avait l'euphorie, les gens n'ont pas eu le temps de voir. J'ai vu progressivement comment Calibri a décliné, au point d'être aujourd'hui isolé. La preuve, les mêmes qui étaient avec lui hier se sont détachés, aujourd'hui se sont retournés contre lui. Et il y a des gens qui veulent expliquer toujours que non, il a raison. Nandi Zulu aujourd'hui dit que non, je n'ai jamais encouragé Calibri dans cette histoire de, comment on appelle ça, de le combat sur 237. Mais quand il fallait le dire, elle ne disait rien. Aujourd'hui, comme elle sent que ça a cuit, il faut qu'elle explique aux gens comment hein, ils ont dit ça, le combat sur 237, mais je n'étais pas d'accord avec eux. Tu n'étais pas d'accord, est-ce que tu l'as fait savoir publiquement? Non. Parce que ça a cuit aujourd'hui, beaucoup se cachent. Stéphane Tchoumbou était avec lui, non? Il a quitté. Dre Bonny était là, non? Il est parti. Sandy de Boston n'était pas avec eux. Elle avait la base jaune. Elle a quitté. Justine Boukam qui est en journée là, se plaignait là. Elle n'était pas bango bango avec Calibri dans les actions. Pourquoi elle a quitté Calibri? Villageois du Quat n'était pas avec la même base jaune. Matin, midi, soir avec eux. Et insultait les autres pendant ce temps. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la bonne équipe. Villageois du Quat aussi est parti. Ça fait déjà 5. Je continue. Nino de Lyon n'était pas avec eux. Nino de Lyon finalement est parti. Aujourd'hui, il insulte le même groupe. J'ai cité Sandy de Boston, non? Le professeur du Don Kwata, Collins Nana, n'était pas avec le même groupe. Ils sont nombreux qui finalement se sont détachés. Mais on veut toujours faire croire que non.
Lui, c'est le Dieu qui a toujours raison et les autres qui sont en train de se détacher ont tort. C'est comme une femme qui dit que le premier homme est venu, il est parti, le deuxième est parti, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais le problème, c'est toujours les hommes qui partent et elle n'est pas le problème. C'est comme une fille qui me disait, oui, j'ai fait 4-5 mecs que j'ai rencontrés et tout, c'est des idiots. J'ai dit, mais est-ce qu'entre-temps, tu ne t'es pas posé la question si c'était plutôt toi le problème? Elle me dit, non, il n'en est pas question. Déjà que tu oses dire une telle chose, c'est un peu osé, quoi. Ça ne peut pas être moi le problème. Des mecs, c'est des cons. Je suis tombé sur des cons. Voilà comment elle me répond. Donc, pendant tout ce temps-là, les mecs, c'est des cons. Les autres, c'est des cons. Toi, tu n'as jamais tort. On s'améliore tous les jours. On apprend tous les jours. Même de mon fils qui est à la maison 5 ans, j'apprends de lui. Il y a des choses que, moi, le bléda dans ma tête, j'ai envie de traverser nos esprits là, au sort du pays avec. Moi-même, en France, il y a des trucs que j'arrive pas à... Moi, par exemple, j'ai envie de traverser la route. Si c'est rouge, c'est vert, je regarde, je passe. C'est mon fils de 5 ans. Quand je veux faire, il me l'arrête ma main, il tient ma main, il dit, mais papa, le bonhomme n'est pas vert. Mon fils, il n'a que 5 ans. Quand moi, je traverse, je fais ça. Lui, il est resté derrière. Il me dit, mais papa, tu fais n'importe quoi. Le bonhomme n'est pas vert. Le petit bonhomme n'est pas vert. Vous comprenez ça? C'est un enfant, mais j'apprends de lui. Deux fois, j'ai envie de... Parce que je veux aller vite, mais deux fois, mon fils fait que je me maîtrise. Je ne veux pas avancer que mon fils de 5 ans soit en train de me dire tout le temps, mais papa... Le petit bonhomme n'est pas vert. Vous avez des gens dans le combat qui sont experts en tout. Des fois, tu vois quelqu'un qui n'a pas de connaissances historiques, n'a pas de connaissances politiques, de connaissances même psychologiques, de connaissances, je ne sais même pas, sur le plan spirituel. Ils n'ont aucune expérience même spirituelle. Il a pris un morceau de commentaire ici, un morceau à gauche, un morceau à droite. Je vois souvent Marc Seignon s'asseoir dans un direct, il veut expliquer des choses aux gens comme un expert. Des fois, je tombe même, je ris, je veux mourir de rire. Je dis, mais attends, on est dans quel monde là? Cultivez-vous, apprenez, allez aux sources et non à l'embouchure, allez dans des bibliothèques, achetez des bouquins, lisez-les, cultivez-vous. Il y a tellement de choses à apprendre. Si vous ne voulez pas lire parce que vous avez la flemme de lire un livre qui fait 100 ou 200 pages, il y a des vidéos instructives sur la toile que vous pouvez regarder. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'à un moment du combat, il y a eu tellement de complexes des combattants, notamment de la base jaune, cette clique-là, qui a tout fait pour écarter les intellectuels du combat. Oui, c'était un projet qui était clair, bien ficelé. Anango qui était au départ de mèche avec eux, finalement, même lui-même en a souffert. Parce que des gens qui étaient intelligents, des personnes qui pouvaient apporter un plus sur le plan, qui avaient du répondant intellectuel, des gens qui avaient quand même une certaine culture politique, des gens qui avaient certains, voilà. Il fallait les écarter. Quand le professeur Niamsi arrive dans le combat, quand je dis arrive dans le combat version actuelle, c'est un vieux combattant qui a fait partie des groupes de l'époque dans les années 90. D'ailleurs, c'est même ça qui a fait qu'il quitte le Cameroun pour aller faire 5 ans d'études en Côte d'Ivoire. C'était des gens du Parlement, mais il était militant de base au sein de ce qu'on appelle le Parlement. Les leaders à l'époque, c'était les Wanto que vous voyez aujourd'hui. Il a été dans survie, tout ça. Voilà. Donc quand Franklin Niamsi ou Cameroun arrive dans le combat, ça fait très mal parce que Niamsi organise des lives, il y a 2000-3000 personnes. Les calibris ne supportent pas ça. Marc Seignor, fils du planteur, tout cela, la basse jaune là, il ne supporte pas ça. Or Franklin Niamsi apporte un plus dans le combat. Il y a des choses que les gens expliquent, ils tâtonnent tout ça. Dès que Franklin Niamsi prend le live avec la méthode, ce monsieur-là, c'est, je ne sais pas de quel monde il vient.
Il maîtrise à la perfection ce qu'on appelle la pédagogie. J'ai fait science de l'éducation un peu. Un peu. Donc, j'arrive à comprendre certaines choses. C'est-à-dire que même les choses les plus complexes, tu t'assois dans le live de Niamsi, tu apprends ça, mais de façon très facile. Ça coule. Si vous n'avez pas bien compris, il dit « je recommence ». Il part dès le départ, il explique. Il parle le gros français, il monte. Après, il redescend jusqu'au niveau du quartier. Il parle même en pidgin parfois pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Niamsi, ça fait trop intelligent. Niamsi, il a une aura très forte. Niamsi, pendant que les gars mettent leur truc, ils sont en train de se battre à avoir 2000 euros dans un litchi. Franklin Niamsi met son litchi. En 4 jours, il a 25 000 euros. Ça fait mal. Quand Franklin Niamsi lance une pétition, c'est signé par des dizaines de milliers de personnes. 200 000 signatures, 50 000 signatures, 100 000. Ça fait très mal. Les gars n'ont pas supporté ça. Et maintenant, ils se sont donc mis ensemble. Alors que quand Calibri pose une action louable qui a permis d'avoir quelques bribes d'informations sur la sphère diplomatique entre le Cameroun et la France. Vous avez vu même récemment quand Macron est allé au Cameroun. On a encore parlé de qui? De Calibri, Calibro. Donc si même malgré ces années-là, le gouvernement de Yaoundé n'a pas avalé cette pilule-là, ça a du mal à passer. Macron a dit ce que j'ai dit, j'assume. C'est pourquoi? Parce que c'était une belle action pour le combat. Je suis contre les camarades combattants qui ont voulu combattre cela, non. J'étais moi-même le premier sur ma page à féliciter Calibri. Parce que c'est une action qui a apporté un plus au combat. Donc Niamsi, ça faisait très intelligent, ça faisait même trop intelligent. Il fallait donc écarter ces personnes-là. Il y a donc le rouleau compresseur maintenant qui se met en branle contre Niamsi. Les insultes fusent dans tous les sens. On envoie donc un chien devant au nom de Collins Nana, quelqu'un qui a bientôt sous ses 50 ans, qui est l'abeille de Calibri. Allez voir aujourd'hui comment Collins Nana lui-même organise ses propres directs. Il insulte le Calibri d'hier, dont il était de l'Unchinda. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites, c'est toujours comme ça que ces choses-là finissent. Il était donc question de détruire Niamsi. Il y a une autre demoiselle au nom de quoi, de Remingono, qui est tombée dans le même truc. Et voilà des grands frères qu'on respectait avant. Des grands frères qu'on mettait là. Je dis bien, Remingono, c'est quelqu'un que moi je mettais là. J'ai rencontré Remingono pour la première fois, c'était quoi? Peut-être en 2016, dans un cabaret ici à Paris. Je suis allé vers lui, le saluer avec déférence, avec respect. J'ai même fait une photo avec lui. Mais quand ses grands frères, je les ai approchés, j'ai eu le temps de vraiment les connaître, je me suis rendu compte que c'était des pourritures humaines. Regardez ce que nous on respectait hier, les Chantal Haïssi. C'est des gens que dans le vide, comme ça, on appelait les divas. Quand vous voyez ces racailles-là qui sont assis chez eux, ils font des directs. Tu te rends compte même que même pour s'exprimer en français, elle a du mal. Elle a grandi, je ne sais pas dans quel coin, de la beuverie totale, tout ce qu'elle sort de sa bouche, mais c'est à vomir. Tu te demandes, mais comment cette femme-ci, à un moment de l'histoire du Cameroun, on a pu ériger ce genre de personnes au rang des divas, d'héroïnes. Par rapport à quoi? Les grâces des cas qu'on mettait au niveau là comme ça. Finalement, on a même menti aux gens comment elle a passé des gros gros diplômes. Elle a fait des grosses universités. On a mis comme les Feynman font là. Ils mettent la levure. Donc, on a gonflé le truc. C'est une ceci. Elle a été draguée par Paul Biya. Elle a failli être première dame du Cameroun. Bla 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 bla. Vous vous rendez compte au final que ce sont des petites gens. Rien au fond. Donc, on pensait que les Remingono comme ça étaient des gens qui allaient encadrer les petits qui viennent dans le combat. Parce qu'eux, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de vécu.
Je me suis rendu compte donc au choc de la basse. Rémi Ngono avait donc choisi son camp. Et il travaillait de mèche avec les calibris pour détruire les autres. Ça ne marche pas comme ça. C'est le même Rémi Ngono qui coince les gars dans les toilettes. Qui fait des bêtises, des attouchements aux gens. Ces femmes-là sont nombreuses, elles ont témoigné. C'est des choses qui se sont passées dans le combat. Au bout d'un moment, nous, on n'en pouvait plus. Il y a des choses qu'on a essayé de couvrir. On s'est dit, non, bon, si on parle encore de ça, si on fait sortir les choses comme ça, ce n'est pas bon pour l'image du combat et ce que nous représentons aux yeux des Camerounais qui ont espoir, qui ont foi en nous. Regardez des idiots comme ça qui, par la suite, sont venus détruire le combat. Qui veulent le changement, mais pas avec un Bamileke à la tête du pays. Ce Bamileke, vraiment, ces gens-là, si on les laisse, ils vont nous damer le pion. Vraiment, il ne faut pas qu'on fasse ce genre d'erreur. Regardez des pourritures humaines pareilles. Et ce sont ces gens-là que les Bamileke en tomate célébraient. Quand moi, je fais mes lives, ils ne sont pas là. Si c'est Ngono qui organise ces lives, ils vont courir là-bas donner les vues. Parce qu'ils sont complexés. Les Bamileke en tomate, sans substance, sans colonne vertébrale. Je vais toujours dire la vérité. Et c'est ça qui va me tuer un jour. Mais j'aurai au moins se dit la vérité. Nous, on croyait que c'est des gens qui allaient venir encadrer les petits. Non, ils sont venus, ils ont choisi un camp. Il faut organiser la guerre contre Kamwa. Il faut organiser des clans et tout ça contre l'autre. Ça a apporté quoi? Vous avez plombé le mec. Des fois, je vois Calibri, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Vous l'avez complètement plombé. Quand je regarde tous ces gars de la base jaune, ils sont en perte de vitesse, complètement. André Bonnier est passé où? Fils du planteur, on ne sait pas où il est passé. Calibri lui-même, il devient quoi? Tous ces gens-là. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est des gens qui ne se mettent jamais devant pour quelque chose. Ils ne se mettent jamais devant. C'est bien de le reconnaître aujourd'hui, Agnès Lendji, parce que toi-même, avant, tu étais un pro-wayo-wayo. Tu supportais Calibris quand tu pouvais mourir pour lui. Aujourd'hui, tu as compris. C'est une bonne chose. Il y a une là qui me déteste jusqu'aujourd'hui. Bon, après, elle a dit qu'elle ne me détestait plus. Bon, c'est parce qu'elle a retenu les leçons. Baby du Grassfield, on appelle. Elle avait mon macabo. Pourquoi tu ne supportes pas Calibri? Pourquoi tu n'es pas avec... Il dit que, merde. Tu crois que moi, je peux être l'abeille de Calibri? Que le monde s'est tourné comment? Ça a commencé par où? Que moi, de ma trempe, je dois être l'abeille de quelqu'un. Moi, je peux être l'abeille de Kamto, pas de Calibri. C'est pas possible. On vit dans quel monde? Baby de Grassfield, elle m'a détesté. Même ma princesse de la révolution actuelle, ma princesse de la révolution, la tontinade de boulot, on n'y touche pas. C'est ma princesse de la révolution. Elle avait mon macabo avant jusqu'à. C'est que, oh, pourquoi je ne m'entends pas avec Calibri? Pourquoi je suis contre Calibri? Oh, je combats les combattants. Au fil du temps, ils étaient de l'intérieur, se sont rendus compte de la pourriture qu'il y avait au sein de la base jaune. Tous se sont écartés. La vérité est là aujourd'hui. Ils sont finalement isolés. Calibri dit qu'il veut mener une action. Il y a combien de personnes derrière lui? Il a pris un autre là qui est un tourmenté. Celui qui est dans tous les camps là, le tourmenté là, il organise ses ventes directes maintenant. Il parle que de Kamwa et de, comment on appelle, de... Comment on appelle le frère de Kamwa? Benjamin Barano Niat. Regardez. Donc vous avez quelqu'un qui travaillait dans les groupes pendant des années. Il multipliait les appels. Ouais, elle chez nous, il faut qu'on fasse ceci. Calibri là doit payer. Il veut monter quoi aux gens? C'est un infiltré, c'est un ceci. Ils m'ont toujours appelé dans leurs choses. Parce qu'il fallait créer des trucs en interne pour rendre la pièce à Calibri et concurrencer Calibri, casser Calibri et tout. Je n'ai jamais été dans cette dynamique. Vous n'allez jamais me voir ou quelqu'un, je dis toujours ici devant les combattants, je parle en public, non?
qu'un combattant sorte ici me dit que Betty et moi et tout et l'autre comme ça, comme on s'était retrouvé dans un groupe où on a monté des trucs parce qu'il fallait renverser tel combattant, une conspiration contre telle ou telle ou telle entité. Vous n'allez jamais me voir dans ces choses. Parce que je peux ne pas être d'accord avec la base jaune, je peux ne pas être d'accord avec Calibri sur la méthode, sur son approche du combat, sur les récupérations, sur plein de choses. Mais l'homme qui est Calibri, je ne peux à aucun moment de ma vie le détester. Je suis bien placé pour savoir ce qu'il y a dans mon cœur par rapport à tel ou tel. Il y a une seule personne que moi, je déteste dans le combat-ci. Que si je vois moyen de le renverser, je vais le renverser. Que je ne doute même pas sur l'autre. Le macabo que j'ai, le barat que j'ai. Si je trouve moyen, il y a le trou là, je pousse dedans, il meurt. L'autre là, il n'y a même pas de doute. Mais ça ne peut jamais être Calibri qui est mon frère. En plus, c'est un beaux-aïeux comme moi. Donc, même par solidarité entre les beaux-aïeux, on se comprend. Fils du planteur, c'est un beaux-aïeux comme moi. Max Seigneur et Voix, c'est un beaux-aïeux comme moi. Ils ont nagé comme moi, donc. Même par solidarité. Même si eux, ils sont là, ils combattent mon livre. Ils n'ont jamais parlé de mon livre. Mais ils ont tous acheté le livre Bac-Bac, ils ont lu. Mais ils n'ont jamais pris comme ça. Ils ont fait une photo, ils ont mis sur leur page. Ils ont peur de me faire la pub. Mais le livre se vend très bien. J'ai vendu récemment 117 livres. That. Multiplié par 20 euros, non, moi même si. Et je viens comme ça, je vous parle simplement avec ma bouche. Je suis humble, hein. Je suis très humble comme vous me voyez là. Un gars qui vend 117 livres multipliés par 20 euros en l'espace de 2-3 jours, merde. Ce n'est pas n'importe qui quand même. Et je suis là devant vous, humble. Je vous parle avec ma bouche, humble. Ce n'est pas l'humilité ça que ça c'est quoi. Le combat, c'est terrible. C'est terrible, hein. Donc aujourd'hui, tu dis un petit mot déplacé, boum, on part déposer une plainte contre toi. J'avais dit en ce qui concerne les récupérations dans le combat, que ça ne marchera pas comme ça, ça ne va pas tenir longtemps. Faites ce que vous voulez faire. Ça ne va pas tenir. Vous ne pouvez pas à chaque fois montrer que non, vous êtes les meilleurs. Les autres ne valent rien. Vous avez voulu détruire Niamsi, vous vous êtes détruit vous-même. Niamsi a mis son litige en l'espace de 4 jours, il avait 30 000 euros dedans. Et c'est même lui qui a dit j'arrête. Il a dit moi j'ai des soucis par rapport à cela, tac, 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 tac. Il a déposé, les gens ont cotisé. Vous ne pouvez pas mettre des litiges en ligne. Les gens cotisent dedans, vous retirez l'argent, vous faites de ça ce que vous voulez. Vous dites que je ne rends compte à personne. Ça ne se fait pas. Avec ça, vous ne vous faites pas respecter. Les gens vont me détester, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Il est prétentieux, il se prend pour qui? D'ailleurs, même, ce n'est même pas un combattant, c'est un vendeur de livres. Il lave les assiettes, ils vont raconter tout ce qu'ils ont envie de raconter. Mais ils ne vont jamais citer mon nom dans une histoire que le gars là est parti, il a corrompu quelqu'un, ou il a pris l'argent des litiges, ou il a ceci ou là ceci. J'ai mon lien PayPal là que je mettais chaque fois que je fais un live. Je mets mon lien PayPal. Si quelqu'un va acheter le livre, il clique dedans, il paye. Il achète mon livre. Deux fois ici. Depuis 4 ans de lutte. Deux fois. Je suis venu devant vous ici vous dire cotisez. Deux fois. J'ai pris une amende dans le cadre du combat que nous menons. 150 euros. Je n'ai pas payé. Ils ont majoré. C'est monté à 375 euros. Moi, je ne pouvais pas. J'ai dit que l'argent là, je ne vais pas aller laver mes assiettes. Alors que je me bats pour que le Cameroun change pour nous tous. Le combat que je mène, ce n'est pas pour moi seul. Alors, mes frères, camarades combattants, je ne peux pas payer une telle facture. 375 euros, j'ai mis le litige ici. Les gens ont cotisé, j'ai sorti l'argent, je suis allé payer. J'aurais même pu laisser le truc en ligne que ça continue. Les gens allaient cotiser peut-être même 1 000 euros dépassés. Je ne suis pas un mendiant.
Je suis quelqu'un qui a une dignité. J'ai mon honneur à défendre. Je suis pétri de valeurs tradies modernes. Je n'aime pas ça. La saleté ne passe pas à côté de moi. Je ne suis pas dans ces choses-là. La deuxième fois, c'était récemment que je suis parti, on est allé au Roha. Et je rappelle toujours ceci. Ma présence au concert, au boycott de Grâce Deka, a deux dimensions. Dans le cadre du combat, bien sûr. Mais surtout, je parle là-bas. Il est important que les gens le sachent. Parce que ma communauté Bamileke est attaquée. Donc je parle là-bas, c'est un sursaut d'orgueil pour leur dire. Vous avez lancé le défi, moi, Mumbeso Mbungbong, je suis venu relever le défi. Vous voulez casser les maisons de Bamileke, brûler leurs boutiques, les chasser dans les cantons, violer leurs enfants comme vous avez toujours fait par le passé. Sachez qu'il y a une nouvelle génération qui n'acceptera pas cela. 4 ans de lutte, je n'avais jamais mis pied à un boycott. Cette fois-là, j'ai dit, je serai là et je vais vous affronter. Que je meure, que je sois blessé, que peu importe ce qui va m'arriver. Quand il s'agit de la dignité de mon peuple, ce n'est pas négociable. Et s'il recommence aujourd'hui, je repartirai. Parce que nos parents ont souffert. Parce que notre communauté a énormément souffert. Il y a des choses que je ne peux pas admettre. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. C'est important de le préciser. Il y a donc quelques personnes qui me disent, Bertie, oui, on veut te soutenir et tout. J'ai dit, moi, je suis en santé, je n'ai aucun problème. Je suis allé à l'hôpital, c'était fait exprès, je suis parti, j'ai fait. Voilà, il y a un profil que j'ai cherché. Les gens ont cotisé. Au bout de quelques jours, j'ai dit, j'ai contacté, tac, tac, tac. Ok, c'est bon. J'ai sorti l'argent. Ça a donné quoi? 5000 francs. J'ai rajouté des sous dessus moi-même. J'ai pris l'argent de mes livres. Parce qu'entre-temps, j'ai vendu 117 livres. 117 livres en l'espace de quelques jours. Donc, multipliez ça, vous voyez combien ça donne. C'est pour ça que ça fait des jaloux partout. Ils sont jaloux que Bertie, quand il vend les livres, hein? Il se fait de l'argent. Quand je passe les nuits à écrire, je passe le temps à casser ma tête pour travailler. Vous êtes avec moi, non? Jaloux. Tu ne vois pas la cause des migrants que je porte, qui est une cause actuelle, qui est une menace mondiale, qui est une cause noble et digne. Tu ne vois pas que je suis en train de me battre pour que ce qui m'est arrivé n'arrive plus aux autres. Non, toi tu vois l'argent qui entre dans mes poches. Quand je travaillais pour ça, tu étais avec moi, non? Je ne prends pas de cet argent-là. L'argent-là, je ne vais pas toucher ça. J'ai pris, j'ai envoyé aux prisonniers politiques. 50 000, j'ai envoyé à la femme de Feu Rodrigue Ndagueyo. L'autre, j'ai envoyé à Maman Pilon. 50 000, 50 000. Je suis sorti sur ça. Même 1 euro, je n'ai pas touché. Je parle comme ça sur la tête de mes ancêtres méritants. Ils m'écoutent. J'ai rajouté mon propre argent dedans. C'est ça qu'on dit, de faire un geste. Pas organiser des litiges en ligne, on récolte des fonds pour dire comment on va aider les prisonniers politiques et le lendemain on commence à faire du chantage aux prisonniers politiques. On envoie le code, dès que tu reçois le code, on dit si tu ne fais pas telle chose, on n'envoie pas l'argent. Si tu ne fais pas ceci, on ne te donne pas le code pour que tu ailles retirer l'argent. Je n'entre pas dans la bêtise. Donc j'ai vu aujourd'hui là notre soeur Justine Boukam qui se plaignait, avec raison. Mais tous ces gens qui sont devenus les monstres dans le combat aujourd'hui, c'est vous qui les avez fabriqués. On ne peut pas se plaindre de quelqu'un qui ne compte pas pour nous. Même quand vous voyez aujourd'hui, on se retourne contre ces gens, c'est parce que hier on les a aimés. Hier on les a portés dans notre cœur. Hier même dans le cadre du combat, on les a célébrés, on les a portés. Mais ils se sont retournés contre nous. C'est moi le seul combattant, tous les autres c'est maïs. C'est toi qui paye mon transport depuis 4 ans dans la lutte. Vous m'avez vu un jour aussi, j'ai mis un litier en ligne pour dire que aidez-moi pour que je fasse le déplacement à Genève, que j'aille partout. 4 ans,
C'est moi qui paye tout. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Même quand je prends le covoiturage avec les camarades pour partir, je paye. D'autres m'ont dit, mais Bertie, pour ce que tu fais dans le combat, tu n'es même pas censé payer. J'ai dit, non, moi je paye. Il y a des combattants là, que si on ne paye pas leur TGV, on ne réserve pas leur chambre d'hôtel, on ne paye pas leur connexion internet, ils ne bougent pas. Tous ceux que vous voyez font des lives, ils crient dedans, là, les grands combattants là. Si on ne les paye pas, ils ne viennent pas. S'ils ne sont pas payés, ils ne viennent pas. Ils ont créé des clans au sein du combat. Quand il y a un problème qui concerne Bertie Le Camite, tout le monde s'en fout. Si peut-être ça concerne Winnie Savannah. Winnie Savannah, on regarde, elle c'est qui? On s'en fout. Mais dès que le problème peut-être ça concerne, si c'est je ne sais pas quand moi, Niad Barano, je ne sais pas qui, il y a un clan qui se crée autour de la personne et on porte très haut et on porte très vite le projet. Parce qu'on crée des clans. Vous voyez, le procès, d'ailleurs j'ai apporté tout mon soutien et toute ma force à ces frères qui sont allés se battre hier à Genève et autres. Ils ont tous mon soutien, mais alors de façon sincère. Mais regardez la campagne qui se bat autour pour qu'on mette l'argent dans leur litchi pour qu'ils partent là-bas. Bien que je sois d'accord avec tout le reste. Regardez la campagne qu'il y a autour. Des litchi partout. Quand ils organisent de live, oh, tel met le même litchi, le même lien, on cotise. United for Cameroun se bat. L'autre vient là. L'autre, ils se battent, ils font des trucs. Pourquoi? Parce que il faut donner la force, donner la visibilité. Mais si c'est moi qui mets mon litchi ici pour mon problème, personne d'eux vont faire comme si je n'existais pas. D'ailleurs, quand j'ai mis le litige récemment, il y a 3 personnes seulement qui ont cotisé. C'est important de le rappeler pour que vous compreniez que dans le combat, il y a des clans à un niveau que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. 3 personnes. Daniel et Sissima, tu n'interviens pas ici. Ton nom a été cité, ce n'est pas aujourd'hui que je cite ton nom. J'ai déjà cité ton nom à plusieurs reprises dans mes lives. Tu as d'ailleurs écrit un livre pour raconter ce que tu as vécu au sein de la base ou du moins ce que tu as subi de la part des Bamileke. Organise tes directs de ton côté et parle de ce que tu as envie de parler. Je ne te donnerai pas la parole ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de discuter avec les gens qui sont de mauvaise foi. Tu sais que c'est vert, on dit que c'est vert, tu dis non. Partagez le live. N'oubliez pas de faire un tour de partage. Donc, regardez la campagne qui se fait autour. Sandy de Boston, elle va mettre le litchi. Elle va faire ceci. Elle va se battre pour que tu vois à côté. United Cameroun va porter à côté tel autre combattant. Ils vont porter le truc parce que c'est un clan qui se forme. Mais pourquoi la sœur Winnie Savannah, qu'on a cassé le pied à Lyon, est dans un procès contre le même régime de Yaoundé? Vous avez vu la pub autour de ça? Non. La pauvre se bat même à expliquer aux gens que « Ouais, me voici dans ma situation. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui avais dit « Winnie Savannah, cours avec tous les gens que tu veux courir. Et sache que demain, si tu es dans un problème, ils vont t'abandonner. » Elle m'a toujours dit que « Oh, ce sont mes frères. Même si on ne s'entendait pas, ils ont dit des choses de moi. » J'ai dit « C'est vous-même souvent qui cherchez vos propres problèmes. » Cette dame, le pied était cassé à Lyon. Elle a été abandonnée à Lyon. Tous sont rentrés, elle a fait plus d'une semaine à 2 semaines à Lyon. Dans la ville de la dame cassée de Lyon, là, elle n'a jamais passé lui rendre visite à l'hôpital. Au départ, quand ils sortent de l'appartement, les dentés de Lyon qui restent dans sa maison, elle donne des leçons aux gens. On ne l'a jamais vu devant dans une seule action de ce combat. Où c'est Karine quoi là? Les dentés de Lyon là. Une pourriture humaine, c'est-à-dire que laideur créature, quand je dis de la laideur ici, c'est-à-dire de la laideur d'âme, tu sens quelqu'un de mauvais, de méchant. La méchanceté, ça dit que même sur son visage, ça se voit. La haine. C'est des gens qui n'ont pas de vie.
C'était prévu au départ dès l'appartement. On a dit, bon, Karine, tu prends la chaîne-ci. Voilà le cadenas. Mais nous avons les clés, nous avons le truc là pour ouvrir. Donc, t'inquiète pas. Dès qu'on va arriver, tu fonces tout droit devant toi. Tu vas prendre ça, tu vas mettre sur le truc, tu vas t'enchaîner. Tu as compris? Oui. Elle porte la chaîne, elle prend des trucs, elle entre dans une voiture. Pendant qu'on est en train d'avancer vers le point à Lyon, elle disparaît dans la circulation. On la cherche partout, on ne la voit plus. La chaîne est où? On ne sait plus. Le cadenas est où? Elle a disparu, elle a tourné comme ça. Elle n'a jamais posé l'action. Or, quand elle était dans l'appartement, elle était devant pour dire qu'elle va, elle va, elle va. Elle a nyongo après. Vous étiez au courant de ça? Je vous parle de ça ici depuis des années. Mais quand il s'agit de s'asseoir devant, dans son coin là, son call box, commencer à donner des leçons aux gens, c'est des gens trop forts. Mais si on dit l'opération coup de poing, tu ne les vois pas. Elle a fui. Mais c'est elle aujourd'hui qui peut critiquer une femme comme villageoise du Quad qui a le courage mille fois qu'elle n'a pas. C'est elle qui s'assoit dans ses lives, elle va critiquer tout le monde, donner des leçons. Quand vous voulez faire des choses, soyez correct dans ce que vous faites. Winnie Savannah se plaignait de ça, non? Elle se plaignait. Qu'est-ce qui s'est passé? Même quand je suis avec elle au téléphone, elle me dit que ce que je suis en train de te dire là, organise tes directs, dis ça en public, que tous ces gens-là, c'est des menteurs, ils m'ont abandonné. Moi, voici aujourd'hui seul dans ma situation, avec mon pied cassé. L'autre jour, ce n'est pas elle qui était en train de courir avec les gens de la base jaune, puisqu'on l'a vu encore en train de courir avec Calibri, dans les rues de Paris, dans un boycott encore. Son pied n'était même pas guéri, qu'elle était là, elle filmait, elle courait avec les fils du planteur pour qu'on aille verser la poudre ou c'est la cendre sur qui là, ou c'est Ernest Obama et l'autre. Elle était toujours là, avec le même groupe. Quand maintenant ça ne la laissait plus, elle a compris que c'est chaud, elle s'est reculée. Récemment, elle a encore recommencé. Elle a fait des posts pour dire aux gens comment. L'affaire, si comme avait dit, je croyais que c'était les blagues. Maintenant, je me rends compte que je fonctionnais avec les diables. Voilà ce qu'elle écrit comme post. Elle publie. Voilà ce qu'elle elle a posté récemment. Je lui ai dit, je t'avais prévenu. Elle s'est donc rendue compte que pour son procès, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de mobilisation autour, alors qu'elle a un procès contre le régime de Paul Biya. Elle menait la lutte pour qui? Pour nous tous. Vous avez vu autour d'elle, les gens se sont organisés, ils ont fait plein de trucs, le tapage. Non, puisque c'est qui? C'est Winnie Savannah, elle ne compte pas. Et c'est des choses que je vais toujours dénoncer dans ce combat. Comme même ou comme me déteste, je ne suis pas là pour ça. La communication exige un droit de réponse. Daniel et Sissima, si tu veux répondre, tu organises ton direct. Tu réponds. D'ailleurs, j'ai parlé de toi vite fait en passant. Je n'ai pas fait un live sur toi. Je suis en train de faire un live qui est bien plus important, bien plus intéressant. J'ai parlé de Daniel et Sissima dans un cadre bien précis, c'est-à-dire des gens qui étaient au sein de la basse avant et qui se sont finalement retournés contre cette même basse et après, qui se sont retournés contre les Bamileke et commençaient à les insulter. Et tu as fait un livre que j'ai d'ailleurs cité. Le titre, c'est de la nation, Brigade anti-Sardina, de la nation à la tribu. Donc, si tu veux répondre, fais ton truc à côté, tu réponds. Et ce n'est pas parce que cette fois-ci, je ne te donne pas la parole pour la première fois que je ne t'ai jamais donné la parole. Fais être honnête dans ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai dit je ne te donne pas la parole que ça fait de moi quelqu'un qui refuse le droit de réponse. Tu es de mauvaise foi, encore une fois. Je t'ai déjà donné la parole combien de fois dans mes lives, si on prend de 2018 jusqu'à maintenant. Tu peux compter le nombre de fois que je t'ai donné la parole dans mes lives. Mais si cette fois-ci je dis ça ne sert à rien, c'est parce que les fois passées, quand je te donnais même la parole, tu venais dans les lives pour raconter tout et n'importe quoi. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère. Tu as dit que c'est les Bamileke qui ont persécuté la basse, ils ont fait ceci, ils ont récupéré la basse. Je t'ai posé une seule question. Tu n'as pas été capable de me répondre jusqu'aujourd'hui. Daniel et Sissima, la basse OK a été prise en otage par les Bamileke. Crée donc ton groupe à côté avec les Boulou et les autres là qui veulent vraiment le changement.
aller renverser le pouvoir en place. Depuis là, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu as déjà mis sur pied en vue de renverser Biya? Est-ce que vous avez donc créé une dynamique à côté puisque la base a été récupérée par les Bamileke? Ok. Laissez donc la base de Bamileke à côté. Ça va au moins se prouver aux gens que votre lutte, ce n'est pas contre les Bamileke, mais véritablement contre le régime en place. Donc, créez une dynamique à côté. Supposez que, considérez que voilà, la base appartient aux Bamileke. Allez créer votre truc à côté, renverser le pouvoir en place. Donc, je passe sur toi. Je termine ce que j'étais en train de dire. J'ai parlé du cas ici de Winnie Savannah. J'ai parlé des intellectuels qu'il fallait absolument écarter parce qu'il y avait beaucoup de jalousie et beaucoup de complexes. J'ai parlé de la récupération. Vous ne pouvez pas être en train de vous battre avec les camarades. Les gars sont encore au front en train de se battre. Vous avez déjà créé votre clan derrière pour aller organiser un direct au nombre de 5. Calibri, Max Seigneur, Chumbu, fils du planteur, Dre Boni, les 5 mousquetaires. À un moment du combat, ils se comportaient comme si le combat leur appartenait. Mais ce n'étaient pas des alliances sincères. C'était des alliances circonstancielles, teintées d'opportunisme. Il fallait récupérer le combat, récupérer les actions et faire en sorte que si demain, le régime de Yaoundé, par exemple, veut négocier avec les combattants, qu'ils soient en pole position pour négocier avec le régime. Comme ça, s'il y a les perdièmes, ce sont eux qui vont prendre. Ils auront la visibilité, ils auront tout. Ce sont eux les grands combattants et les autres ne valent rien. Au fil du temps, on est en 2022. Vous voyez encore Chumbo avec Calibri, non? Vous voyez encore Dre Boni? Il a disparu depuis. Il a même organisé sa part de live un jour pour dire comment les Bamileke, ce sont eux qui créent le problème. J'ai fait un live ici spécial où je l'ai invité. Il est venu dire la même chose. Les Bamileke ont fait ci, les Bamileke ont fait ça. Et il vous a révélé en public ici qu'il a grandi dans une famille où ses propres parents autour de la table disaient qu'ils ne veulent jamais entendre parler de Bamileke. Il a grandi dans une famille où le propre père autour de la table disait « N'amenez tout le monde, mais jamais je ne vais entendre que vous avez fait des enfants avec les Bamileke. Ne mélangez pas mon sang avec le sang des Bamileke. » Voilà des gens avec qui nous fonctionnons. Les vérités sortent au fur et à mesure, non? Mais n'empêche que ce soit un très bon garçon. Dre Boni, c'est une belle personne. Il a une belle âme. C'est une belle âme, en fait. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est quelqu'un qui manque de personnalité. Il est facilement manipulable. Ils sont où aujourd'hui? Nous, on est toujours là. On tient. On tient. Ils disent que Bertil Okami n'est rien dans le combat, il n'est rien. J'ai d'abord dit qu'il était quoi dans le combat? Je ne suis rien. Je suis moi-même le premier à le dire. Mais partout où je vais, parfois je crois que je suis caché dans un petit coin. Je viens, je m'assois au coin comme ça. J'ai des gens qui traversent, ils viennent m'appeler. Bertil, comment tu vas? Je te vois sur la toile depuis des années. Tu fais un travail formidable. Vous allez faire comment pour éteindre ça? Vous ne pouvez pas. J'ai parlé de la récupération. J'ai parlé des clans au sein du combat. Tous ces gens qui ont fait des alliances incestueuses avec la base jaune, tous se sont écartés. Vous avez vu des gens dans leur phrase, parfois dans la malhonnêteté ou autre. Vous avez vu le clan. Le combat de leadership permanent même d'ailleurs entre Kamwala Panthé et Calibri Calibro. On a vu ce que ça a donné dans le combat. Il a fait des sorties ici très dures contre Kamwala Panthé. Quand ça ne va pas, ça ne va pas, je parle. Il ne peut jamais expliquer aux Camerounais qu'il a eu raison d'aller chez Lolo Fondia. Non, c'est un gros coup qu'il a donné au combat. Regardez aujourd'hui le frère que j'ai félicité d'ailleurs, Kamwala Panthé.
qui a fait un joli mariage et tout. Regardez sur la toile. Pour vous dire jusqu'à quel point les Camerounais sont méchants. Vous pouvez ne pas vous entendre avec Amoala Panté sur le cadre, dans le cadre du combat. Vous êtes en désaccord sur un, deux points. Mais les gars organisent des lives, des tonnes de lives pour dire comment Amoala Panté a pris l'argent ou pour se marier. Quand je regarde des choses comme ça, vous vous attaquez au bonheur de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un fait son mariage, au lieu de le féliciter, Olivier Tchanan organise des directs. Koulou Amang Dibanke a dit comment l'argent a fait quoi, c'est sorti de où, que Tchakoutez a fait quoi, le château, il y a eu une similitude. Il a sorti de ces trucs, je ne comprends pas. Félicitez le gars d'autrui. Bon mariage à toi, mon frère, Amoala Panté. Laissez-le dans son bonheur avec sa famille. N'attaquez pas sa famille. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Par exemple, moi, je suis prêt à tuer quelqu'un si il s'agit de ma famille. On n'y touche pas. Je ne viens pas non plus narguer les gens ou faire des choses. Vous n'avez jamais vu une seule photo d'un membre de ma famille ou mes enfants que j'affiche, non. J'ai une vie privée et ça se respecte strictement. Je n'entre pas dans la vie privée des gens pour chercher à savoir ce qu'ils mangent chez eux ou tel ambinda avec tel. Je n'entre pas dans ça. Mais ma famille, on n'y touche pas. Tu touches ma famille, s'il faut même s'exploser tous les deux, je t'embrasse comme ça, on va exploser. On n'y touche pas. Chacun a ses principes. Il y a ceux qui sont contents, ils affichent leur famille, ils sont contents, ils partent manger, ils font des photos, ils font des trucs. Vous n'avez jamais vu, moi, ma vie, c'est ma vie. Mon combat que je mène, c'est mon combat. Ça n'a rien à voir. Qui s'attaque à la vie privée de Kamwa par rapport à son mariage. Ça vous fait mal où? Allez aussi vous marier. Allez aussi faire votre mariage. Vous avez des gars frustrés, ou c'est 44 ans, ou c'est quoi là. Pas d'enfant, pas de femme, pas de vie, pas de papier, pas de travail, rien. Vous arrivez en France, au lieu de chercher à avoir d'abord une assise, au lieu de vous préparer, faire, organiser votre vie, vous voulez vous mettre au même diapason, vous voulez vous comparer aux gens qui sont en France, ça fait 20 ans, qui ont pris leur avion, qui sont arrivés tranquillement, ils avaient déjà de la famille, ils se sont intégrés, ils sont devenus français, ils ont leur boulot, ils ont... Il y a des gens que même s'ils dorment chez eux, tous les mois, ils ont au moins 1800 à 2000 euros par rapport à ce qu'ils ont eu à travailler. Tu viens d'arriver, au lieu de te chercher, tu es dans les directs partout. Kamwala fait ceci, ça n'a aucun sens. Cherche-toi, Olivier Tchanan, cherche-toi. Organise-toi, cherche à avoir une vie d'abord. Moi, je suis en France, ça fait 8 ans. Moi, je peux crier maintenant, je peux parler fort. Le travail, j'ai. Le chaos, j'ai. La famille, j'ai. L'argent même, j'ai. Tout ce que moi, j'ai voulu entreprendre ici, les trucs que je me suis organisé en vrai pour faire, j'ai une assise, je suis bien organisé dans ce que je fais. En 8 ans, j'ai eu le temps de faire vraiment ce qu'on appelle les fondations, comme on dit. J'ai posé les jalons. Aujourd'hui, si je veux crier, je crie fort. Quelqu'un vient d'arriver en Europe. Au lieu de trouver le temps de s'organiser, d'avoir une certaine assise, vous venez vous mettre dans les duels avec les gens qui sont en France. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Quand on dort chez lui, il s'en fout s'il dort chez lui. Il a un passé. Forcément, il aura suivi ses miettes tous les fins de mois qu'on va verser dans son compte. Ce n'est pas le cas de plusieurs personnes qui s'agitent. Autant moi je suis clair avec moi quand il fait des conneries, autant moi je suis prêt à le défendre parce que il y a au moins une chose qui me rassure. C'est vrai que oui, oh il est désordonné, oh il est ceci, il n'est pas. Mais j'ai au moins ce deux ou trois choses qui me font croire que, bien qu'il soit dans les querelles de leadership avec Calibri, c'est quelqu'un, oui, qui est un leader du combat, qui aussi ne baisse pas la garde sur certaines choses. Mais il y a au moins ces deux à trois choses qui me rassurent. Que bon, la plupart de ces trucs qu'on fait, c'est des coups montés contre sa personne. Et il est le premier à le savoir que si j'ai envie de lui parler, je l'appelle, je tape sec au téléphone. Même quand on se voit en face, je lui dis que non, tu n'as pas à faire ceci, tu n'as pas à faire cela. C'est un frère de combat. L'affaire de la seringue. À Mondo Vision, ici, on l'a sali.
On s'est rendu compte enfin que non, ce n'était pas une seringue. Premier coup monté contre lui. Et jusqu'aujourd'hui, le seul qui a reconnu publiquement et qui s'est excusé pour cela, c'est le combattant Kemta. Tous les orgueilleux que vous voyez, les Calibri, les Max et autres, ils n'ont jamais reconnu qu'ils ont menti. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils ont menti. On est parti à Bruxelles pour une manifestation. On a fini. La sœur de Kamwa nous a invités à manger. On était en famille. Vous avez bien même des directs qu'on avait fait le moment-là. Tout est sur la toile. Il y a un monsieur combattant de l'Allemagne au nom d'Atemeng qui s'est levé là, dit je prends la parole aujourd'hui devant tout le monde. Je vais vraiment présenter mes excuses à Kamwa Lapanté parce que je fais partie de ceux qui étaient dans la cabale contre lui pendant des années. Parce que nous, on a cru, quand les Calibri le disaient, on a cru vrai que Kamwa avait perçu 147 000 euros du gouvernement de Paul Biya. Je m'excuse devant toi parce que c'était faux. Deuxième mensonge contre sa personne. Troisième mensonge. Calibri dit comment Kamwa Lapanté a voulu le tuer à Lyon. Kamwa n'était pas à Lyon. Mais à distance, il a voulu te tuer. Ou il a voulu qu'envoyer les gens. Ou il a voulu faire que quoi. Il a voulu te tuer. Entre-temps, Justine Boukam, les villageois du Kwate et autres là, qui ne sont que des femmes dans le combat. J'ai beaucoup de respect pour la gente féminine. Il y a des choses que même quand je veux faire, je sens que c'est avec la femme, je ne tiraille pas, je laisse tomber. Au petit mot déplacé, il va déposer donc des plaintes maintenant contre Justine Boukam, contre villageoise du Kwate et autres. Mais celui-même qu'il dit depuis des années sur la toile que Kamwa a tenté de le tuer, donc de l'assassiner, qui est quelque chose de très grave. Il n'a jamais déposé une plainte contre Kamwa pour tentative d'assassinat. Mais il faut déposer des plaintes maintenant contre les Justine Boukam, contre d'autres. Moi, je suis Lassi Kanti Bertrand. Vous connaissez mon adresse, vous connaissez mon nom, non? Je suis Sombu Mbom. Je parle. Allez déposer des plaintes contre moi. Il ne suffit pas de déposer des plaintes. Ça peut se retourner très mal contre vous. Tu déposes une plainte, si tu n'es pas capable de le prouver, ça se retourne très mal contre toi. Donc voilà des choses. Ça fait qu'il y a des moments que même quand vous parlez, même quand vous dites des choses qui sont vraies, plus personne ne vous croit parce que vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. Je suis encore content parce que ma parole a une certaine crédibilité. Même quand je parle, il y a des gens qui vont dire, si c'est Bertie qui a dit ça, moi je crois. Même sans avoir vu. Même mes amis, même au sein de ma famille, si je dis une chose, j'ouvre ma bouche, je parle. Même sans avoir vu, les gens croient. Parce qu'ils savent que moi, je suis quelqu'un de carré. Que ça ne vous plaise pas, je suis ce que je suis et ça ne changera pas. Maintenant, c'est qu'il faut me monter pour que moi, j'attaque à moi la panthère. Non, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce qu'il allait faire chez Lolo Fondja. Je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Je fais des lives ici, je le dis en public. Mais vous n'êtes pas né pour me monter contre un camarade combattant. Je ne fais pas des combats par procuration. Je ne lutte pas pour vous. Je ne suis pas dans le « aide-moi à détester ». Jamais. Et c'est ça dans le combat. On crée des clans à gauche, on crée des clans à droite, on crée par-ci, on crée par-là, dans le but de nuire à autrui. On oublie qu'entre-temps, on est en train de nuire à l'image du combat dans son ensemble. Et vous avez des naïfs. Ils sont nombreux comme ça dans le combat. Et des naïfs, ils sont nombreux. J'ai suivi un live un jour sur la part des villageois du Bat. Il y a un gars qui a appelé. Un naïf, et ils sont nombreux comme ça dans le combat. Vraiment, ce garçon de Calibri, quand j'appelle vraiment, je parle de lui. Vraiment, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il a fait quelque chose. Mais ce quelque chose-là, c'est quoi? Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent que
Calibri a interpellé Macron. Rien. Calibri, vraiment, il avait fait quelque chose. Un jour, quand Kamto arrivait à Paris, Calibri s'est déplacé aussi à quelle heure du matin. Il s'est levé, il a sacrifié son sommeil. Il est allé à Place de la République là-bas. Le gars parle comme ça. Il est dans un village, je ne sais pas où, au Maroc, quelque part là-bas. Hein? Il a retiré les papiers. Il a nettoyé l'endroit où Kamto allait venir le lendemain. Vraiment, c'est une action qui m'a marqué. Mais de l'or. C'est le genre que j'ai envie de rire. Je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut en pleurer. En fait, je ne comprends pas. Des totos comme ça, il y en a partout dans le combat. Ça dit que le vent les emporte à gauche, ils partent. Ça les amène à droite, ils partent. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas ce qui se passe véritablement à l'intérieur du combat. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu commences à parler, j'écoute, je passe à autre chose. Parce que tu ne maîtrises pas le fond du dossier. Il y a des choses qui se passent en interne que tu ne connais pas. Donc je ne veux même pas débattre avec toi. Ça m'a vraiment touché son action là. Il allait nettoyer devant Kamto, là-bas, devait venir le lendemain. Il a retiré les papiers. Merde, j'étais dépassé le jour là. J'ai dit que, un moment j'ai supporté, donc je supportais, moi j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. J'en pouvais plus en fait, c'était trop en fait. Vous voyez un naïf comme lui qui dit ça. Entre-temps, la mairie de Paris paye des ouvriers. Il y a des salariés de la mairie de Paris qui sont payés pour nettoyer. Ce n'est pas à Calibri de venir nettoyer. Ça s'appelle de la récupération pure et simple. Je commence par le commencement. C'était au moment où Calibri, Max et son groupe s'étaient organisés pour combattre Kamto. Je recommence. C'était au moment où il y avait le gouvernement de transition. Exactement au moment où un monsieur depuis l'Angleterre, au nom de Jean-Pierre, il s'appelle comment ? Jean-Pierre Dupont. Confie, c'est-à-dire il met sur pied un projet qui consiste à organiser une cérémonie. On appelle ça d'investiture symbolique de Kamto à Paris en tant que président de la République du Cameroun. Et il confie donc le dossier à Calibri. Calibri a donc besoin des mains fortes, des camarades combattants qui vont faire la pub. Mon téléphone sonnait tous les jours. Bertie, il faut faire le live. Il faut parler de ça. Hein, c'est mon projet. Je suis devant le projet. Pourquoi les gens veulent me voler le projet? Jean-Pierre Dupont m'a confié ça. C'est moi le boss du combat. Et il a toujours pensé comme ça. Que lui, il est le patron du combat. Et qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Même quand il a posé l'action de Macron et tout, quand il a interpellé Macron, allez regarder sur les pages des gens. Mais moi, je ne l'ai pas fait. La plupart des camarades combattants, même qui l'avaient félicité pour cette action, par la suite, ont été obligés d'aller sur leur propre page supprimer leur poste dans lequel ils encourageaient Calibri. Parce que vous savez ce que Calibri dit? De toute façon, ils sont obligés de parler de ça. Ils sont obligés de partager et parler de ça. Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est moi le boss du combat. J'ai fait ce qu'ils n'ont pas pu faire. Cet orgueil, ce manque d'humilité, le fait de ne jamais se remettre en question. Je souhaiterais que ce live, je sais qu'il est là en faux profil, écoute très bien et que ça rentre là. Que autour de toi, les gens t'ont trompé. Tu as perdu beaucoup dans la communauté. Tu as perdu plusieurs de tes soutiens. À cause de ton obsession, parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas apprendre de tes erreurs. Et ça ne fait que te plomber. Aujourd'hui, ton combat, c'est de poser des plaintes contre des camarades. Donc, ils avaient porté le projet du gouvernement de transition. Kamto était en prison. Dans leur tête, c'est que Max Seigneur, il voit le déclare dans l'un de mes lives. Kamto est en prison, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir.
On ne va pas perdre le temps à rester là parce qu'on l'attend comme tout. Il y a une seule chose à faire, c'est que on doit créer un gouvernement de transition parce qu'on leur avait déjà promis des postes de Kalibri, consul du Cameroun à Marseille. On a promis le poste de Max Seigneur, ambassadeur du Cameroun à Paris. Vous avez un voyou là en Angleterre que vous appelez comment, Brice Nietzsche, qui a fait 25 ans en Angleterre, il ne parle pas anglais. Il avait le poste d'ambassadeur du Cameroun en Angleterre. Patrice Nouma était quoi, ministre de la Défense. Ils avaient leur groupe là qu'ils avaient déjà créé, parce qu'ils se sont partagés les postes. Ils combattaient quand au matin, midi et soir sur leur page. Matin, midi, soir, ils combattaient comme tout. Ce jour-là, j'ai fini le travail le matin. J'étais gonflé comme ça. J'ai organisé un live. D'ailleurs, je rentre du boulot, je suis fatigué, mais je suis obligé de faire le live. J'ai dit aux gens, il y avait au moins 1000 personnes en ligne ce matin-là. Je leur ai dit, ce que Kalibri est en train de faire, c'est de la récupération pure et simple. Comment expliquer que les gens qui, pendant des mois, ont combattu Kamto, aujourd'hui, quand ils ont entendu que Kamto vient à Paris, il se déplace, il va à la place de la République, il part nettoyer pour dire que c'est ici qu'on va accueillir notre président. Autre chose, Max Seigneur Ivoire, qui était dans le même lot pour combattre Kamto, quand il a appris que Kamto venait, il est même allé jusqu'à l'aéroport pour jouer le bodyguard de Kamto. Vous voyez jusqu'à quel point les gens sont manipulateurs, jusqu'à quel point les gens sont menteurs. Quelqu'un que hier tu critiquais, et les mêmes aujourd'hui sont dans la même logique. Quand tu es mou, quand tu es faible, le combat c'est au 237, pourtant ils sont toujours en train de combattre ici. Ils ont dit un moment comment nous on est peureux, on est des petits combattants de la résistance. Eux ils sont dans la révolution et ils vont présenter bientôt un leader de la révolution qui va chasser le pouvoir de Yaoundé. Plus d'un an aujourd'hui, on est là, on attend. Leur grand leader de la révolution, il est dans Jupiter. Ils se sont mis où c'était à Cologne. Ils ont cotisé. Voilà un autre encore que je cite. Christian Djoko. Djoko Christian était avec eux, Bango. Il était sûr que non, main dans la main avec la base jaune. S'il y a quelque chose, on va le soutenir. Le gars a organisé une pétition. Il dit que les gars, s'il vous plaît, signez. Max Seigneur dit que mais tu es qui? On l'a viré de l'autre côté, floquant avec ton truc de... Tu appelles ça quoi? Pétition. Qui va signer ça? Personne n'a signé. On a balancé ça de l'autre côté. Max Seigneur maintenant met sa pétition à lui. Il faut que tout le monde signe parce que c'est lui. Et il crée maintenant une grosse campagne autour de ça. Il faut qu'on signe la pétition. Ça a donc échoué. Niamsi, en parallèle, avait une pétition signée par plus de 500 000 personnes. Combien là? Le goitre est monté comme ça. Niamsi faisait tellement ombrage qu'il fallait maintenant combattre Niamsi. Et comme c'est des gens qui ne parlent jamais directement, ils n'ont pas de couilles hein, pour se lever comme ça, tenir un discours comme moi, parler et citer quelqu'un nom et prénom. Non, ils ne vont jamais faire ça. Ils ne vont même jamais aller dans le live de quelqu'un, regarder avec leur profil. Sont toujours en faux profil, comme s'ils n'étaient pas là. Mais ils ont toutes les informations, comme par hasard. Ils vont donc envoyer un idiot de service qui va aller jouer le rôle. Il a sous ses 50 ans. Collins Nana va aller se tenir devant pour insulter Niamsi jusqu'à prendre le titre de prof du Don Pata. Parce qu'ils ont des complexes du fait qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas été à l'école. Ils veulent combattre ceux qui ont été à l'école. Moi, par exemple, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Mais j'ai beaucoup appris. Tu n'as pas besoin de sortir de Harvard ou de la Sorbonne. Je n'ai aucun diplôme universitaire. Mais il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas m'attaquer sur certains sujets. Je vais les écraser. Parce que j'ai la passion. J'ai l'amour pour la lecture, pour la découverte. Je suis curieux. J'apprends tous les jours. Je veux connaître. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Moi, parfois, je me lève comme ça, ça vient comme ça dans ma tête. Je commence à te produire un texte poétique sans respecter. Je ne connais pas les bases, les gestes même de ce qu'on peut appeler la poésie. Moi, je fais la poésie en quelque sorte, la poésie traditionnelle africaine. Mais c'est quelque chose que je sens parfois un texte. Je peux rester comme ça, je sens qu'il y a quelque chose qui me vient. Il faut que je couche ça sur du papier. Je commence à... Je le fais vraiment dans...
une sorte de passion. C'est quelque chose qui n'est pas calculé. C'est un peu comme dans le vrac. Ça vient comme ça, je les sors, comme ça, je sors, je balance. Ça me vient. Je ne fais pas forcément en vers, que ce soit en prose. Je ne rentre pas dans ça, toutes ces techniques-là. Je n'ai pas besoin de connaître ça. Ça vient, je commence à faire comme ça. Je fais comme ça, je fais comme ça. Au final, ça donne quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé m'asseoir quelque part dans une école où on apprend la poésie ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai été dans aucune école où on enseigne l'histoire. Tu m'attaques à ce niveau, je vais te détruire. Je n'ai jamais pris les cours d'histoire dans une université. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle les universités millénaires d'Afrique. Donc, c'est une formation qui est largement au-dessus de ce qu'ils appellent l'école des blancs, les petites formations académiques là. Quand ils viennent face à moi, je les écrase. Oui, Collins Nana a compris que c'était chaud. Lui-même, il a retiré, il a jeté les points. Vous avez quoi contre les gens qui ont été à l'école? Les gens ont fait leurs études, ils ont leur diplôme, ils ont leur boulot, ils ont leur vie par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Toi, tu n'as pas fait les mêmes sacrifices, tu veux obtenir la même chose, Nia. Ce n'est pas possible, la vie n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vous pouvez, la plupart d'ailleurs au président au Cameroun, s'il y a 100 milliardaires au Cameroun, 70, c'est des gens qui ne savent même pas à peine. C'est rien qui savent à peine lire et écrire. Donc, si tu as 100 milliardaires au Cameroun, prends même au Nigeria. Tu vas voir tous ces gens-là. Dangote n'a pas été à l'école. Donc, vous n'avez pas besoin, si c'est l'argent qui vous intéresse, d'être sorti de Sorbonne. La plupart d'ailleurs des gens qui sont sortis de Sorbonne, j'en connais ici à Paris, montent et descendent, ils parlent le gros français pour ils n'ont rien en poche, rien. Même un terrain de 50 euros, ils n'ont pas acheté au Cameroun, comme même dit le général Cœur de Lion. Mais même un terrain de 50 euros, ils n'ont pas acheté. Ils sont là. Voilà. C'était votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie Le Camit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Au tête, mes frères. Je disais pour le bouquin, si quelqu'un est intéressé, contactez-moi juste inbox. Si vous êtes en France, ça vous fait 20 euros, j'ai cassé les prix. Au lieu de 22 euros, j'ai cassé le prix à 20. Et pour ceux qui sont à l'étranger, au lieu de 25, j'ai mis à 22 euros. Vous avez juste à me contacter inbox et j'envoie sous 24 heures ou 48 heures maximum. Merci à vous. Oui. Calibri, à un moment, il est nordiste. À un moment, il dit qu'il est beau. On avait dit que tu es beau d'où? De quel village? Il ne sait pas. Après, il change. Il dit qu'il est ceci. Il change de temps en temps. Il dit qu'il est cela. En fait, pour moi, ce n'est pas sincère. Mais en même temps, même si je ne suis pas d'accord avec Calibri sur certaines choses, si quelqu'un attaque Calibri en disant qu'il n'est pas camerounais, moi ça me pose problème. Ça veut dire que la personne s'attaque à moi. Si tu attaques Calibri en disant c'est un Sénégalais, tu t'attaques à moi. Je vais toujours le défendre. Parce que pour défendre le Cameroun, on n'a pas besoin d'être camerounais. Même s'il n'a pas les parents camerounais, il a grandi au Cameroun. Il a l'accent camerounais. Il est de culture camerounaise. Il connaît les mentalités. Il connaît même parfois mieux même que beaucoup de gens qui disent camerounais de nom et autres. Sur cet axe-là, j'ai toujours été le premier à le défendre. Et je le défendrai toujours parce que je suis quelqu'un de logique. J'ai même fait plusieurs lives dessus où j'ai expliqué aux gens en prenant des exemples un peu partout en Afrique, pour expliquer aux gens que non. Ce n'est pas parce que tel est de tel pays. Je vous ai pris l'exemple du psychiatre martiniquais, Frantz Fanon. C'est le père de la révolution algérienne. Ce qu'on appelle le Front de Libération Nationale d'Algérie, c'est dans sa chambre que ce projet a été conçu. Il est pourtant noir. Il s'est installé en Algérie. Il a appris l'arabe et le berbère en 8 mois. Il a vécu là-bas pendant des années.
C'est l'idéologue qui a pensé, qui a conçu, qui a influencé, que ce soit Ayn Ahmed, que ce soit Krim Belkacem, que ce soit Ben Bella, que ce soit tous ces gens-là qui par la suite se sont hissés en héros, Warib Oumediene, tous ces gens-là qui par la suite sont devenus des grands. Si tu demandes aujourd'hui à un Camerounais qui est Vincent Ganti, les Camerounais ne savent pas. Vincent Ganti, c'est un digne fils de Guyane, envoyé au Cameroun, en Afrique centrale notamment, en Afrique équatoriale française à l'époque, par la France, mais qui est arrivé, il s'est finalement retourné contre les ordres de la France. On l'appelait l'agitateur. Mais il a beaucoup influencé les Camerounais qui par la suite sont devenus des grands. Gaston Donat, c'est un blanc français qui a vécu en Algérie, qui a vécu au Cameroun. Ce sont eux qui ont formé les Oumiobé dans ce qu'on appelle l'activisme, le communisme, tout ça. Vincent Ganti, Maurice Delaunay, c'est des blancs. Gaston Donat, c'est un blanc qui est arrivé au Cameroun. Il a pris les Oumiobé, il a pris tous ces gars que vous connaissez là. Il les a formés. Il a dit, je suis blanc, je suis français. Mais je veux me battre avec vous pour que vous puissiez prendre votre libération. Est-ce que Gaston Donat était Camerounais? Non. Les Français qui étaient à l'époque installés au Cameroun ont même organisé un truc qu'on appelle ça, ils ont fait un traquenard, un truc comme ça qu'ils ont organisé, pour le piéger. Il a fallu qu'on l'exfiltre pour le mettre dans un avion, qu'il décolle de l'aéroport pour fuir. Les Blancs, même Français, le poursuivaient. Si on l'arrêtait, on allait l'émietter. Parce qu'il était considéré comme un traître qui a travaillé avec les Noirs pour la libération des peuples noirs des Camerounais. Vincent Ganti a travaillé avec... On va prendre l'exemple en Afrique du Sud. Vous avez des Blancs Sud-Africains. Des Blancs Sud-Africains qui se battaient aux côtés des Noirs. Contre leurs propres frères blancs. Vous avez les Breton-Breton-Bach. Vous avez Bram Fischer, l'un des grands héros de l'histoire de l'Afrique du Sud. Vous avez les Joe Slovo. Vous avez les Albi Sachs. Vous avez le révérend Bayes Not, un des racistes réputés d'Afrique du Sud, qui va venir en prison rencontrer Nelson Mandela. Mandela aura le temps de le convaincre. Une seule conversation avec Mandela, un pasteur réputé raciste qui détestait tellement les Noirs, il venait en prison pour prier avec des prisonniers blancs. Il ne passait jamais du côté des Noirs. Un jour, Mandela fait la demande à plusieurs reprises. Il a demandé à le rencontrer. Le premier jour qu'il vient, il a un face-à-face avec Mandela. Mandela lui parle dans sa langue. Il parle dans la langue afrikaner. Il a retourné le cerveau du monsieur. Il est révérend. C'est lui qui va sortir de là, déposer sa Bible. Il va aller porter des bombes pour aller dans des gares de train où il se trouve des blancs. Où les blancs se trouvent, il va exploser ça contre des blancs. Vous voulez que je continue à citer des gens? Ils sont nombreux. Le président de Kenneth Kaunda de la Zambie, père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, il est du Malawi, l'ancien Nyasaland. Il s'est battu. Cabral, Amilcar, il s'est battu pour l'indépendance de 3 pays en Afrique. 3. Vous avez les Stokely Carmichael, noir américain, qui est venu s'installer en Afrique. Il fuyait à l'époque la ségrégation. Stokely Carmichael, qui est arrivé d'ailleurs à Conakry, et qui s'est marié en seconde noce avec Myriam Makeba, l'ancienne épouse de
l'ancienne épouse du grand artiste qui a chanté l'hymne national des. C'est lui qui a composé l'hymne national des Black Panthers aux États-Unis. Stokely Carmichael est venu s'installer là-bas. Il a lutté auprès de Kwame Nkrumah, il a lutté auprès de Sékou Touré. Il a d'ailleurs porté le nom de Kwame Touré. Donc il a pris un côté Kwame Nkrumah, il a pris un autre côté de Sékou Touré, il s'appelait Kwame Touré. Mais son nom même, c'est Stokely Carmichael. L'artiste, voilà, il s'appelle Hugh Masekela. Le premier, le mari de Myriam Makeba, quand elle fuit l'Afrique du Sud, arrivait à Conakry, qui était une terre libre à l'époque, qui était une terre qui accueillait tout le monde. Il y a des lycées là-bas. Le lycée, c'est écrit lycée Félix Roland Moumier. Mon camarade, mon collègue de service, il a étudié, il a fréquenté là-bas. Félix Roland Moumier. Tous ces grands-là de l'époque, ils allaient là-bas. Ils se battaient pour une Afrique libre. Ils ne se battaient pas pour un seul pays. Les gens se battaient de gauche à droite. Comme on a vu pour la libération, la fin de l'apartheid, il a fallu que 26 000 Noirs cubains, afro-cubains, partent de Cuba pour venir à la bataille de Cuito Canaval qui a duré à peine 4 jours. Ils sont venus là-bas, ils ont tout saccagé. Ce sont eux qui viennent mettre le fin à l'apartheid et qui va donner l'indépendance à plusieurs pays, pas seulement à l'Afrique du Sud. Ce sont des gens qui sont venus de très loin. J'ai déjà fait cela. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est juste un bref résumé comme ça en passant. Des gens qui se sont battus. Non, je ne peux pas comprendre que les gens expliquent aux gens comment Calibri rentre chez toi, tu es Sénégalais, tu es ceci. Ça n'a aucun sens. Moi, je parle de cela. Pourquoi? Parce qu'il est important d'apporter ces éléments de culture à ceux qui sont en train de suivre le live. Ils sont nombreux qui ont payé de leur vie parce qu'ils se battaient pour une cause noble. Ils ne cherchaient pas à savoir celui pour qui je me bats est noir, il est vert, il est blanc, non. Plusieurs blancs d'Afrique du Sud sont morts. Ils étaient contre l'apartheid. Tu vas dans des quartiers, des townships, ce qu'ils appelaient à l'époque, ce qu'ils ont voulu créer en Afrique du Sud, les micro-États. Vous allez là-bas, dans des quartiers populaires noirs d'Afrique du Sud, vous avez des images partout de Bram Fischer, qui est l'un des héros de l'histoire, tellement apprécié du peuple noir. On te dit que c'est un noir, tu ne peux pas croire. Que c'est un blanc, les Bantoustans, merci. C'est le mot que je cherchais. Pendant que des blancs étaient en train de se battre pour la libération de l'Afrique du Sud, ils se battaient pour la cause des Noirs en disant à leurs propres frères blancs, vous n'avez pas le droit de faire ça aux autres. Nous avons le devoir de vivre sur le même sol, en harmonie avec les autres. Nous n'avons pas besoin de les détruire. Pendant ce temps, vous aviez des Noirs eux-mêmes qui ont créé des Bantoustans, ils ont créé des micro-États parce que chacun voulait être président de quelque chose. Chacun voulait diriger. Bon, le blanc leur dit, ok, au lieu de suivre le compte de Mandela, créez vos petits micro-états de vos villages, vous faites de ça des petits Bantoustans. On va vous mettre président de la République de tel Bantoustan. Ils ont accepté le deal. Vous avez Boutelesi, Mangoshuto Boutelesi, qui va devenir il va avoir son Bantoustan, il va devenir le président. Vous avez Lucas Mangope qui va accepter le deal et il va devenir finalement le président du Bantoustan de Bofuta Tswana. C'est d'une ethnie, les ethnies, les Tswana, ce sont eux qui sont au Botswana. Ils font 98% de la population. Vous avez le Bofuta. Comment on appelle les peuples, les Soto,
qu'ils vont créer pour eux. Vous avez même le frère même de Mandela, Justice Matanzima, qui est le cousin même de Mandela, né dans la même concession. Lui va trahir le peuple noir en allant créer sa part. Le KwaZulu-Natal, c'est lui qui était le président de KwaZulu-Natal. L'autre était dans le Transkei, Mangoushoutou Boutlezi. Il y avait plusieurs micro-états comme ça et Mandela combattait cela. Donc imaginez la double dimension, voire même la triple dimension de son combat. Il fallait en même temps combattre les Blancs. Il fallait en même temps combattre ses propres frères noirs. Il fallait en même temps protéger les Juifs d'Afrique du Sud qui étaient menacés d'extinction et qui étaient financés de l'extérieur pour les éteindre. Mandela s'est battu pour que les Juifs d'Afrique du Sud aient des droits. Quand Mouammar Kadhafi voulait financer pour qu'on tue tous les Juifs qui étaient sud-africains, il dit, j'ai l'argent du pétrole, je n'aime pas voir les Juifs, moi je vais financer, éliminez-moi tous ces Juifs-là. Les communistes, c'était avec Robert Mangali Sobukwe et tout ça. Donc j'aurais pu laisser l'Afrique du Sud prendre des caves en Angola, on peut prendre chez nous au Cameroun, on peut prendre à côté au Togo, il y a plusieurs pays, il y a tellement de choses à dire sur le continent africain. Bosco Kamto, il n'est jamais tard. Ceux qui ont fait des études supérieures, moi aussi j'ai fait des études supérieures, donc je ne sais pas si tu plaisantes. Si tu veux un débat sur l'Afrique du Sud, on peut y aller. Il n'y a aucun souci dessus. Je n'ai aucun complexe face à quelqu'un qui me brandit ses diplômes d'université ou quoi. Si tu veux qu'on ait un débat là-dessus, ouvert et public, on y va. Je pourrais apprendre de toi comme tu pourrais également apprendre de moi. Voilà. Pour moi, c'était... Bon, j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai même parlé de ça parce que quelqu'un a dit là-bas que Calibri, quoi, il n'est pas Camerounais. Moi, j'ai pris ces exemples-là parce que je voulais apporter un petit plus. Si ça peut aider, bien sûr. Je sais que Jean Bosco, Kamto, lui, il dérange seulement. C'est ma personne de toute façon. Bon, même s'il tient à son truc, on pourra le faire un de ces jours. Donc, merci à vous, merci à vous, merci à vous qui prenez le temps de suivre mes lives, de les partager, d'animer le live, merci. C'était votre frère Bertie, le laveur d'assiettes, l'agent de sécurité, me voici au Njogmasi. Et aussi, il ne faut pas oublier le vendeur de livres. Malgré toutes ces casquettes-là, je suis resté humble. Hein? Moi voici, je suis tellement humble que je vous parle avec ma bouche. Hein? Wow! Les choses des Camerounais, c'est compliqué. Ou qui a même sorti ça, on ne sait pas. Quelqu'un reste, il fait un post, il dit que voilà, ça met le temps en plein cœur de Paris. Il conduit une petite moto comme tout le monde. Il conduit avec sa main. Les gens ont demandé que mes choules, il conduise avec ses pieds. Et toi, est tellement humble que, arrivé à Paris, il a pris la moto comme tout le monde. Ah! Tu fais quoi dans la vie? Je suis Camerounais. Être Camerounais, c'est un boulot à temps plein. Wallahi. Je te jure, je suis très humble. Moi aussi, je suis en train de vous parler avec ma bouche. Alors que moi, je suis laveur d'assiette, je suis agent de sécurité, je vends les livres, mais... J'ai tellement de casquettes que... Allez, merci à vous. Merci à vous, dites-moi. Merci à vous, bonne soirée.